Le système d'Aurélie a besoin de nous, GPO. Pour l'empereur! Oh putain! On se retrouve pour l'épisode 2 de ce putain de SP2, Dawn of War 2. Je vais équiper devant vous la petite armure que j'avais oublié de mettre la dernière fois. Voilà, c'est fait. Non! Si, mon je suis donc armure. Avec 3 d'armure de plus, waouh! Ça aurait pu faire tellement de différence pour moi. Tellement! Putain! C'est vrai que je suis quand même assez mauvais, je sais, encore corps à corps, mais voilà. Si j'étais pas mon commandant, je te traiterais d'hérétique. Ça, c'est trop de temps dans le warp. Au moment d'hérésie entraîne une vie. Nawak. Du coup, là, les deux missions sont à faire, y a pas de mission secondaire, là, si? Non. On est d'accord. On doit faire les deux missions pour progresser dans l'histoire et dans l'ordre qu'on veut. Sans faut bon. Passer par les deux. D'accord, bon bah je prends celle qui est plus haut. Je suis raciste. Le raid de Skykilla. Skykilla. Ouais, je sais qui tue. Un nob. Ce nob dirige une escouade de Shock Boys, des orques équipés de réacteurs dorsaux primitifs. Les Shock Boys sont des orques impitoyables qui frappent vite et fuient avant l'arrivée des renforts. Éliminer Skykilla, ça nous fera gagner du temps et on découvrira peut-être qui mène ces orques. Tout est dit. Récompense, armure de scout, valeur d'armure 3. C'est moi ou sur le scout j'avais vu 5 là il y a 2 secondes. Valeur d'armure 9. Oui, on a droppé une meilleure armure. Ouais. Déployé. Ça, c'est le point positif. Jouer en primar, on drop d'excellent stuff généralement. J'y dis pas de conneries. Bon, on transformera le stuff en XP. Donc c'est pas grave. C'est mieux. C'est cool. Ouais. Je pense que tu t'en souviens pas, mais un nob est un sorte de gros orc. Oui, t'inquiète. Préparez-vous pour le déploiement, frère. Déploiement de Space Marine. On sort tous de là-dedans. Le sang va couler à grand flot. C'est pas sûr une capsule, hein. Et le sang sera nôtre. Hein, de quoi? Casser des gueules, putain. Allez, go, go. Ça, j'ai cherché les grenades là, parce que... Je gère un peu parce que Tarkus il a pris cher. T'inquiète, bah Cyrus a pris un peu aussi là. Je vais les laisser ici, je vais foncer avec mon hero. Ah, c'est pas gentil ça. Waouh, non! Non, Blue est à terre! Ouais. Putain, t'as foncé quoi! Je pensais pas qu'il y en avait autant! Recule! Recule avec Cyrus! Grenade! Oh putain, mon dévastateur s'est fait me dévaster. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est venu au corps à corps devant? Non, j'ai pas compris. Oh putain. Attends, si je dis pas de bêtises, je crois que la capsule ça relève des troupes. Bon déjà, la médaille survie, on est foutu. Ouais, regarde, j'ai des troupes en renfort. Et les bleus. Vous êtes désormais un Space Marine, frère. Allez, voilà, quatrième Gellurant. Hop. Mission sauver Blue. Sauver Blue, et il y a aussi Avitus qui est tombé. Et Cyrus. Et Cyrus.
Il restait juste un mec, non? Ouais, Le mais seul qui nous a... Putain... je balance, je vais pas prendre de risque. Voilà, je suis Boum. malade. J'enlève la Y vitus en a en qui premier. s'enfuient en haut, là. Je suis triste. J'espère que... Oh putain, il y a du monde, il y a du monde. Ouais, mais je vais d'abord relever Cyrus. Je vais le remettre pour qu'il aille récupérer ses copains. Faut juste se placer à côté. Ouais. Je passe par en bas. C'est pourri. Bah allez, c'est bon, je peux te relever. Pour le chapitre. Bah, tu vois, au milieu de la carte, il y a un point. Faudrait qu'on le capture parce que j'ai pas envie de me retaper tous les retours au niveau de la capsule à chaque fois. Ouais, j'imagine bien. Je peux essayer de jeter une petite charge ou quoi. Ou peut-être qu'ils vont se casser si j'en envoie une. Ils Bah, réagissent faudrait comment déjà eux? que je me mette en position. Non, et il me manque un membre de mon escouade. Voilà. J'ai mis un Falcon Punch, putain! Oui. Héros de mort? Il y a une arme là qui a... Cap de Cronus. Bon bah écoute, hop hop. Du coup on se prend le petit point. Bon, attends, ça Ah va, ouais, ça ok, va. d'accord, ouais. Il fait quoi mon Gus là? Ah mais il est encore en train de... D'accord, je pensais Capture. qu'il... D'accord, bon bah on a le point. LOL. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire mais... Oh putain, on a rameuté les mobs en haut. Putain. Effectivement. Allez, crevez! Grenade! Non, meurs pas. Ils sont cloués. Calme-toi, Vitus, calme-toi. Ah non, c'est pas... C'était Cyrus, C'est là. Cyrus. Il était à fond là. Tac. Du coup, les points à gauche, à droite, ils servent à quoi? C'est des points spéciaux, on ne peut en capturer qu'un par partie. Mais de toute façon, on refait à chaque fois, on va revenir sur ces lieux lors d'une mission suivante. Donc il faut choisir lequel choisir en priorité. Ça offre divers bonus plutôt intéressants. De toute façon, ils vont vous expliquer. Ok. Déplacement tactique! Feu à volonté! Je recule! Sérieux? Bon, YOLO! Non, 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 non! Tiens! Non, non, ah! Non, ils vont pas rester à côté quand même. Ah, je vais peut-être en avoir un. Ah non. Les charges des munitions, c'est super bien contre les ennemis quand ils sont dans les Dans les baraques, quoi. bâtiments, ouais. J'utilise son invisibilité.
vais me mettre en invisible et je vais en jeter une dans la baraque. Boum. Ah oui merde, quand on est invisible, putain, on récupère pas de... d'HP. Non. Je sais pas. Là je vois qu'il récupère pas tout court là. Bon mais je pense qu'on va capturer celui-là, non? Ouais. Fonderie automatisée. Fonderie automatisée sont de précieuses reliques du passé capables de reproduire masse avec l'énergie des nains. La capture d'une fonderie apporte plusieurs avantages que vous avez lors de la campagne. Cliquez avec le bouton droit sur une fonderie qui sélectionne une escouade pour la sécuriser. Ouais. Oui, c'est comme un point quoi. Disposer de plus de déploiements sur un même jour solaire. Sa valise autorise aussi les soins et les renforts. Déploiement du générateur en cours, commandant. Les autres générateurs sont posés. Disponibles au prochain déploiement. Ok, donc du coup là on n'a pas le droit d'aller prendre l'autre. Mais on peut le sécuriser pour avoir le, la médaille de. Voilà, la médaille du coup, de on va y aller. D'avoir tué tout le monde. Ah, ça m'a refilé un. Hein. Ouais, les munitions c'est pour tout le monde. Donc les soins, les charges explosives pour toi. Là, y en a un dans ce bâtiment. Ah, vas-y avec Cyrus. De quoi dans ce bâtiment, où ça? Là, hop, dans ce bâtiment y en a un. Dans genre... la carte, je te l'ai pingé. Sur la carte j'ai pas vu le truc. Ah oui d'accord, ok là. Je mets une charge. Ouais. Prenons pas de risque. Allez. Bon du coup avec Jean-Paul. Ouais, je pense que tu peux le faire depuis. Je pense que tu peux le faire depuis ce côté du mur. Hein. Bah je sais pas, il voulait pas le faire là. Voilà. Ah ok d'accord. Je les attire. Faut qu'on aille sécuriser l'autre point. Bunk. Oh attention, voilà, y a un petit paquet qui arrive là. Donc Blue, tu te la coules douce hein. Comment ça je la coule douce? Bah le commandant les trois quarts du temps il est en train de se rouler les pouces hein. Alors là est-ce que je peux jeter ma... ma petite truc ici là? Oui. Cadeau. Un genre. Un petit sac à dos. Boum. Parfait. Oh ok, je vais avec Abitus, je vais les tanker par la droite. Et toi avec le reste de la squad, non avec Tarku je vais passer par la droite et toi avec le reste de la squad tu passes par la gauche. Ouais. D'accord. Oui. Allez hop. Ah d'accord ok. Putain, ah. Le prochain déploiement pour sécuriser un autre site stratégique. Ah merde, j'ai perdu Tarkus. Et j'ai perdu Avitus. Barre-toi, Blue, fais une charge. Est-ce qu'il veut bien me la faire? Putain. Ah l'enculé. Je meurs avec une grenade. Voilà, relève Tarkus s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qu'il fait?
Attends, je vais choper des trucs là pour nous. C'est tout repasse sur toi, bleu. Fais gaffe, il reste deux Shock Boys. Ouais, ils me voient pas de là, donc ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un peu de récupérer là. Oh putain, mon commandant il a récupéré vachement vite. Ouais, mais c'est normal, comme il est tout seul, la régène de vie, c'est son dada. Mais tu peux foncer avec ton commandant pour les tanker et après, avec Habitus et Cyrus, on les prend. Vas-y, ouais. On va leur faire un tir de. D'accord. En fait, j'aurais pu le laisser aller tout seul quoi. Dégueule. Donc là on a pas le droit. Non. Mais je vais te dire. On a le droit qu'à un déploiement par jour. Par contre, okay. Je vais ramener mes troupes au milieu moi. Ouais bah. Elles je... ont besoin. De toute façon je vais faire pareil. Je pense que pour le temps c'est mort. Pour la survie c'est mort. Alors pour la dissémination, ouais, il va falloir qu'on. Dissémination, exactement. C'est un magnifique verbe que j'ai inventé. Je vais le rajouter au codex. Dissémination. Dissémination. On va disséminer tout le monde. Décimer. Non, disséminer. Disséminer. What? C'est un nouveau verbe, voilà, je l'ai rajouté dans le codex. Ok. Du coup, on passe à droite ou à gauche là pour aller... Ou en face là, je pense pas que ce soit terrible en face. Oh. Non, je pense qu'on va passer par la droite là, on a déjà un visu sur ce qu'il y a. Complètement à droite ou à droite ici là? Juste là. À droite ici. Alors attends, je vais commencer avec Cyrus. Ou alors, non, ouais. Non, oh, non, on va faire complètement à droite et on va faire toute la bande après. Attends, je renvoie un petit cadeau. Cadeau. Ouais, je m'en vais. On va aller à droite. Allez, salut. Bon bah... Fuck. Attaquez-moi. Ouais, par contre, je sais. Enfin. Venez. On va nickel, du coup. Ici les scouts. On va faire. Donc du coup, on passe là-bas. J'arrive. Ouais. Ah. Y'a du monde. Falcon, aide. Falcon, non. Falcon, nope. Alors, on a sa communauté. Ok. Oh merde. Attention, non. Grenade. Ah merde, j'ai Habitus a été touché. Ouais, Cyrus pourrait être utile. Attention à votre formation. Attention à la formation. Et un petit cadeau, ouais. Mais... Ça va péter. Ça va péter. Selon sa volonté. Allez, capturons le point. Mouvement pour capture. Attends, hop, récupérons des munitions. Voilà. T'es prêt à avancer pour la capture du deuxième point? Ouais.
Fais-toi plaisir, Blue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il est rentré dedans? What the fuck? Je suis un commandant d'armée, je dois superviser. Je dois superviser. Putain. Sérieux quoi. Ah. Y'a des copains. Encore des orques. Attaquez-moi! Bunk. L'un des nôtres est mort. Ah, c'est. T'as perdu un Cyrus? Ouais, mais je l'ai récupéré parce qu'il était à côté du truc. Ah non, 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 recule, putain. Non, laisse-moi mettre un petit cadeau. Cadeau. Voilà. Tu as détruit une maison, félicitations. Bon. De rien. Par contre, le jeu, il est... je sais pas ce qu'il a le jeu. Toi aussi t'as des petits coups de freeze ou quoi là? Non, pas du tout. J'ai des coups de speed et tout. Ça va être bizarre. bah écoute, ouais. Voilà. Du coup là on est obligé d'aller en haut là, y'a plus rien. Là c'est le boss. Ouais. Alors, est-ce que tu utilises les raccourcis clavier, genre tes raccourcis d'escouade et de compétences? Parce que là ça va être utile. De le compétences boss, pas trop. Mais il va falloir réagir, ça va être comme un boss de RPG, il va falloir esquiver ses attaques et tout. Bon, de toute façon, là c'est ton commandant d'armée qui va le tanker. Ouais, c'est génial. Tu vas le tanker. Tu vas te soigner ton commandant d'armée et tu me préviendras quand tu auras plus de trucs de soins. Et là, c'est moi avec Tarkus, je tankerai. Okay. Et pareil, place Cyrus de manière à ce qu'il puisse lui faire mal. Il peut être emmerdé. Et moi, je placerai. Voilà, et pareil. Mais avance avec ton commandant d'armée en premier. Ouvre la voie. Ouvre la voie, commandant. Je mets ça ici déjà. Est-ce qu'il nous voit de loin ou pas le boss? De toute façon, il y a des quelques... Je crois qu'il faut arriver au milieu de la zone. On a genre quelques secondes pour se placer. Après, le boss il arrive. Ok. Comme c'est un shock boy, et donc il va arriver un coup de jetpack. D'accord. Avitus en position. Ah oui, il arrive. Il est où? Ah ok. Et il a la flemme. Bah il est ralenti par Avitus. Puis en plus si je lui mets des coups de boule. Grenade! Ah merde, les grenades ça te fait mal. Oh putain. Ah il fait une frappe. Ouais. Non 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 non. Ouais il est... T'as mis des cons, commandant, putain. Mais ouais mais non mais c'est... C'est sérieux si je les touche là. Mais oui mais... Je lui dis de venir. Putain. Non te mets pas là la grenade. C'est bon. Recule ton commandant! Je lui fais un soin. Cyrus, grenade! Putain. Ah bah y'en a un qui a pris. Non, j'étais en train d'appuyer sur le truc, fais chier. Ok, je vais tanker le boss avec Tarkus. Ouais, je vais essayer de relever avec. Il l'a relevé. Putain, allez. Va là-bas. Attention, grenade. Désolé. Oh putain. Waouh. C'est bon, j'ai le temps de me régénérer. Je le tank. Non, recule! Attention, jette une grenade! Allez, Skykila! Tu vas mourir, Skykila! Ouais, il va mourir avant, hein! Yeah!
Comme j'ai vu. Ok. Ennemi anéanti, commandant. Waouh. Un autre peau verte mort. Préparez-vous pour extraction. Ennemi Sky Skill Eyes, c'est Shock Boys. C'était pas facile. Ça va. À la rigueur, vu que pour l'instant t'as pas encore les squads de cette marine d'assaut corps à corps, tu veux prendre Tarkus, même s'il est distant, c'est un tank, il a un sort d'aggro et de résistance. Peut-être que je serais plus à l'aise qu'avec le scout, ouais. Ah, merde, de scout. Ouais, voilà. Oui. Fureur. T'as une vitesse, tu vois. On a eu 3 étoiles. Résistance, on a eu 0. Ok. De nombreux cadavres seront disséminés avant la victoire. Putain. Hydromonitions de partout. Ouais. Bah écoute, de toute façon, Tarkus, bien même joué, s'il commandant. Se joue distance. On trouvera qui vient en aide aux orques. Je déploie une équipe pour fouiller les restes des orques et découvrir qui les soulève contre nous. A-t-on eu d'autres nouvelles du secteur voisin, capitaine? Non, on a perdu le contact avec eux. Qu'est-ce qui pourrait détruire le réseau de communication d'un secteur entier en quelques jours? On doit enquêter, mais la défense de Calderis est prioritaire. Commandant, déployez-vous à la surface dès que vos escouades seront prêtes. Très bien. Pouit, pouit, pouit. Non, ouais. Parce que, comme je disais, Tarkus, pour l'instant, il se renomme en... Il se booste sa stat, ses vies. Ok. Mais je lui mets les points. Pistolet Bolter, pistolet Bolter. Je lui mets les points à Vitus. Cap du grand-père. Ah, du coup, j'imagine que je vais mettre l'armure. Cap du grand-père sur mon héros. Sur mon commandant. Cap du grand-père, 21 de santé, 13 d'énergie, 12 d'armure. Oui, c'est un choix. Moi, à ta place, je me cracherai dessus. On a reçu plein de stuff pour toi, Blue. Alors, moi, je vais mettre l'armure. Connaissance cachée. Ah, c'est une armure de scout aussi, non? Scout, ouais, on a eu plein d'armures. 7, 3, 20% de distance de vision, 4% de précision, 1%, 48% de santé. Ah non, je vais peut-être pas la mettre celle-là du coup. Accessoires dispo, balise de localisation. On a une. Non, c'est la balise de localisation, c'est pour le pouvoir, c'est confère le la capacité de déploiement de tarentules. Déploie des armes défensives automatisées. Ah! Sur les positions désignées. Ouais, c'est une. C'est une tourelle quoi? C'est une tourelle. Si d'accord. Tu veux, ouais, si tu veux, je peux la prendre. Par contre, peut-être, pour Cyrus. Pour Cyrus, t'as un fusil à pompe. Cyrus, il peut jouer bolter, fusil à pompe ou sniper. Fusil de combat. Et oui, le vitesse d'attaque. D'accord. Ah, par contre, pas mal la pression. Ouais, il va tirer de beaucoup moins loin, par contre. Non, mais par contre, il donne un pas à la discipline de combat puissance. C'est laquelle? C'est corps à corps. Il donne un point en puissance. Plus 6 de dégâts, 25% de probabilité de renverser l'ennemi. Un coup, un tir sur 4. Ouais, c'est plutôt sympathique. Bah écoute, hein. De toute façon, je peux pas échanger Cyrus contre Tarkus, malheureusement. Ok. Peut-être que toi tu peux y arriver, mais moi je peux pas. Je peux pas déplacer une escouade inerte. Quand on a plus de 4 escouades qu'on peut faire des switches. D'accord, parce que là, on est censé le faire d'où en fait, si tu te souviens. En haut à gauche, tu as le troisième bouton, écran de déploiement des escouades qui te permet de choisir, parce que tu ne peux déployer que 4 escouades en même temps pour le champ de bataille. Et donc, quand on aura plus d'escouades, les escouades, si on veut s'échanger des escouades, il suffit de la mettre, de pas la sélectionner pour le déploiement, l'autre peut la prendre. Oui. Ah bah attends, il me reste la distribution de mes points à faire. Qu'est-ce que je fais du coup augmente alors que son coût en énergie diminue? J'essaie de viser quoi?
Fureur des justes d'abord ou zélé? Pour commandant? Ouais. Parce que dans tous les cas, ça sera dans deux niveaux, quoi. C'est comme tu veux. De toute façon, mettre des points, ça... Mettre des points en puissance, ça va augmenter tes dégâts au corps à corps. Mettre des points en résistance, ça va augmenter ta vie et ta régénération de vie. Ouais. Je pense que quand même, pour le commandant, équilibré c'est bien de faire un vie d'abord. Ouais. Équilibré, mais de toute façon, c'est les... Ouais, c'est les deux trucs que tu vas mettre. Par contre, moi, pour Siru, je te conseille de mettre, de commencer à monter l'arbre à distance. Non, non, tu augmentes l'arbre résistance de Cyrus. Comme ça, le premier truc à débloquer dans l'arbre de la vie de Cyrus est vraiment intéressant. Ça te permet de te déplacer à vitesse normale quand t'es sous infiltration. Ça pourrait faire gagner sensiblement du temps, ouais. Pout pout. Comme en plus pour l'instant tu joues corps à corps, c'est bien d'avoir avec un fusil à pompe d'avoir un peu plus de vie. Tu as raison. Du coup on peut peut-être dégager quelques trucs au librarium là. Genre d'armure. J'enlève les anciens, bah celle-là oui. 8. Puis l'autre de toute façon. Ouais, tu peux enlever l'autre aussi. L'autre, du coup ouais aussi. Look. Ah ça donne pas mal d'XP en fait. Littéralement. Ouais ouais non mais y'a moyen de gagner un. Il y a moyen de gagner un niveau entre deux missions grâce au libre arrière là. Faut peut-être que je mette le pistolet bolter, ouais. Ouais ouais. J'imagine que c'était ce que t'allais me dire. Le petit pistolet non. Il fait quoi? 10 de probabilité. Attends. En cas d'atteinte d'infliger 16 de dégâts à tous les ennemis alentour, donc ok, des tirs explosifs et l'autre. Il fait rien et il fait moins de dégâts. Bah ouais. Tu peux le supprimer le. Non par contre après celui que t'as là, le pistolet de balle. Tu vas après l'échanger très vite avec le héros de mort prochaine. Parce que le héros de mort prochaine, justement, il te rajoute 2 points en corps à corps. Héros de mort prochaine. Ah ouais, plus 2 de compétences au corps. Ah ouais. Et du coup, quand tu l'équipes, ça compte aussi pour le déploiement de la prochaine capacité, du coup. Oui, oui, c'est-à-dire que là, par exemple, si tu mets, si t'avais mis tes 2 points de vie en corps à corps, et que tu pouvais t'équiper le héros de mort prochaine, mais t'aurais la fureur des justes. D'accord. Bah écoute, ouais. On passe à la prochaine, ouais. Du coup. Ouais, pas de soucis. Donc du coup, on est obligé de faire l'autre d'en dessous. Eh bien, ouais. Grutchenka. C'est parti. Commandant, les orques ont frappé une autre cible importante. Un puissant chef orque appelé Gutrencha mène l'assaut. Mais quelqu'un doit lui avoir indiqué cette cible, sans même qu'il en soit conscient. Emmenez vos escouades et éliminez cet animal avant qu'il ne cause plus de dégâts. Restez à l'affût d'indices pour découvrir qui le manipule. Je suis prêt au déploiement, frère. D'accord, bah écoute, déploiement. De toute façon, ouais, après, je prendrai Cyrus. C'est vrai, ouais, après, dans la campagne, on a 6 escouades. Et il y aura 3 escouades. Pratique. Il a pas l'air méchant. L'inverse. L'inverse, c'est mieux. Il a pas l'air gentil. Déploiement. La position de Gutrencha est indiquée sur votre carte, commandant. Vous devez franchir les rangs des orques qui le protègent. Alors, Blue, il y a une maison devant nous. L'idéal, ça serait Cyrus.
Yep. Dites-le avant de soyez vigilants. Mouvement en silence. Hop. Recule. Ouais, je veux le reculer. Oh, j'ai des petits coups de lac, c'est bizarre. Balancer une petite grenade. Nice. Il s'en va. Tu ferais bien de te soigner quand même. Oh, je vais pas. Si, j'utilise quand même un truc carrément. Ah non, 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 pour ça. Non, j'ai juste à attendre. Je vais attaquer les mêmes que toi ici. Je peux passer ici avec mon héros ou pas? Ouais. Ok, nickel. Je vais t'aider à faire les autres. Lance une grenade, fais gaffe. Viens ici toi. Attends, non, 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 recule. Je vais faire encore avec. Tac. Votre paquet cadeau va être délivré par voie aérienne. Aïe 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 ouille ouille. Oh, oh my god, it's Christmas. Du coup... Ah, il y a des unités juste alors, là. Alors oui, je pense que okay. Je pense que tu l'as remarqué depuis la mission précédente. Oh, merde, j'ai oublié. C'est un point noir de la campagne d'un Nanofort. Explique. Tes unités sont très passives. De quoi très passives? Oui, mais généralement... Ouais, si tu leur donnes pas l'ordre d'attaquer, ils vont rarement attaquer d'eux-mêmes. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'essaie d'y penser à chaque fois, parce que sinon... Là, il y a un petit paquet, Psyrus. Et surtout la petite baraque, quoi. Surtout ça que je vois. Bon, il y en a deux, hein. Ouais. Dans la deuxième, il y a personne dedans encore. Attends, je vais les reculer vite fait. Toi, va là-bas. Attaquez-moi! En haut, ils arrivent en haut. Ouais. C'est trop, non ? Ça va, du coup, va là-dedans. Je mets un petit paquet. Oh, d'accord, tu es en. Ah. D'accord. Mon paquet est triste. Tu comprends. Une caisse de munitions. Bon, ça va. Ça me refait un petit paquet. Je te propose qu'on tente de sécuriser le point. Le point qui est juste à droite là, ouais bah ouais. On est juste à côté. Est-ce qu'il y a du monde à côté? Le point oui. Il y a du monde à côté, attends je vais... J'arrive vais positionner ça ici. J'attends que t'arrives. Merde, il l'a engagé. Putain, il est sérieux. Ouah. Attaquez-moi. Casse tes gueules. Sérieux, il va réussir à s'enfuir. Genre. Touk. Il reste ses 5 points de vie, putain. Du coup, on fait quoi? On continue sur la droite? Ou quoi? Y a... Ou au-dessus pour prendre le point d'abord? Non, on va continuer sur la droite. On va raser la droite. On va prendre la relique et après on va refaire toute la gauche. Ça marche. On va remonter en arc de cercle. Oh non, même pas. En non, fait, on va prendre descendre. Le truc au milieu. Ah oui, on va. Ah oui, merde, d'abord. C'est vrai. Ouais. Merde, putain, il est devant. Aïe. Attaquez-moi! Bande de xéno! Pauvert! Je vais... Oh putain, je vais reculer Cyrus. Je vais me concentrer sur cela, déjà ce sera très bien. Là t'en as un qui souffre.
Le corps à corps. Tue le corps à corps en premier. Voilà. Attends, avant d'avancer, je soigne un peu Cyrus. Ah, vas-y. Ah mais oui, merde, y'a... Putain, c'est encore... Wow, y'a un paquet de troupes devant. J'ai eu le temps de les voir. Je vais les attirer avec mon... avec le commandant. Attends, je place Avitus. Allez, suivez-moi. Je vais les reculer un petit peu. Fais gaffe, Cyrus est à découvert. Et là, c'est parti. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Je me trompe des squads, je voulais faire bouger Tarkus, je fais bouger Avitus. J'ai cru voir et. Oh! Par contre, mon commandant. Attends, je vais les tanker. Vas-y, je suis. Je vais être derrière toi avec Cyrus. Je change un peu mon énergie. Soyez vigilant. Qu'est-ce que... Ah putain. Et mon commandant d'armée arrive près de la bataille. Bonjour. Toujours. Commandant, fais gaffe là, je crois que... d'un important relais de communication. Ah ouais, non, stop. Ce dispositif nous donnerait plus de pouvoir, commandant. Capturer. Ce dispositif est bien défendu. Il sera difficile de le capturer. Du coup, faut le garder, faut pas que je le pète. Ah non, c'est le truc d'après, ça je peux le buter. Ouais, ça tu peux y aller. Un petit cadeau de charge. Alors je vais aller sur eux, c'est les plus près. Pour l'instant, on a perdu personne. Ça va, là, on se démerde bien. Un peu moins n'importe quoi qu'avant. Mais je crois que bizarrement Cyrus c'est celui qui a le plus de vie pour l'instant. De résistance. Il y a du monde en haut. J'arrive. Alors. Signum, vous savez qui est un signum? Sollicitez davantage de frappes par mission. Vous pouvez vous équiper du signum lorsque vous retournez sur le croiseur d'attaque. Ah oui, ton commandant d'armée aura la capacité frappe aérienne, ouais. D'accord. Et okay. Plus on aura de dispositifs de communication, plus tu pourras le faire par jour. Ok. Du coup, on se fait le truc vite fait au-dessus là? Ouais. Venez! Ah oui, d'accord, ils viennent à nous. Des Shockboy. Y'a plus personne en haut du coup. Faut prendre les caisses quand même. On peut pas accumuler plus de munitions ou de trucs. Hein? Ça dépend, t'as combien? 4. Je crois qu'il m'en manque une. Mais bon, au pire, on en trouvera sur la route. Là j'ai tout. Ouais. J'en ai 5. On va à gauche du coup? Ouais. On va se faire le point. Allez mon copain. En position. Attends, je vais reculer un peu pour les attirer. Voilà. Pourquoi
Pourquoi il voulait pas y aller au corps à corps? En fait c'est vraiment dès que je cible pas quelqu'un, il va pas aller au corps à corps quoi. Il va rester à distance le commandant. Tac, pas de bâtiment là, qu'on se fasse pas avoir, ça a pas l'air. Je vais... Non, de toute façon on va aller... On va aller. Je vais prendre à droite avec mon commandant. Ok. Je vais les attirer. Mais attends, je balance d'abord une grenade sur la gauche. Ah bon. Je suis déjà... Voilà. On a le lancer, recule. C'est pourri. Il y a des shockboys. Qu'est-ce qu'ils font? Mais bon d'accord, pas compris. Oh là là, oh là là. Recule. Recule Cyrus, fais pas le fou. Reviens. Je les aggro. Attaquez-moi. Punch. Poup. Bon, j'ai pris un peu de dégâts. C'est bon ça, je commence à avoir ma régène. Nous pouvons continuer. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'unités. Ah, ils nous ont vu, je crois. Ou pas? Ouais, je les attire. Non, il y en a 4, donc bah go. Hein. Punch. Oh, une promotion, putain. Par ici. Oui, il y a un bâtiment pour Cyrus. Ouais, le gros là? Je peux? Ouais. Je vais le péter en entier juste avec une charge. Ouais. Wow. Recule, recule. On va pouvoir avancer pour se faire les autres. Oh là, non, recule. Grenade. Ok. Bon bah du coup vas-y. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. Faut que je recove un peu, il y a encore un bâtiment, je vais m'en occuper. Je crois que j'avais plus d'énergie. Allez, on peut capturer le point en bas. Hop, des munitions. Du calme, le champ de bataille s'étend. T'es prêt pour la suite? Bien sûr. Bon, on va descendre du coup pour aller choper en bas à gauche là. Ouais. On va repasser en fait au pont là. Avec... Ouais, parce que tu vois les ennemis. Ouais. Ne laissez d'accord. Aucun Xeno. Il m'attaque. On se met à couvert. Ouais. On se met à couvert. Ah, y'a personne dans la maison? Bon bah go. Ouais, j'ai bien la grenade. Excellent Space Marine. Le bâtiment qui est juste en dessous, y'a personne dedans? Non, non, c'est, on l'a sécurisé, c'est la, okay. Le village. Effectivement. Vas-y, commandant. Je vais mettre mes scouts ici là. Pour l'instant. Ah, ouais, ok, ouais, non. Scout d'abord, hop. Bâtiment. J'encaisse avec Tarkus. Bon bah j'ai aussi quoi avec le commandant, c'est parti. Recule Cyrus. Occupe-toi du corps à corps. Oh. Comment il m'a repoussé? J'ai oublié de faire ma capa. Il me l'a vite montré. Ah,
t'as perdu Bob, un Bob avec Tarkus du coup. Ouais, mais je vais aller... Celle qui est juste en bas à droite, non? Où tu remontes? Non, enfin, non, à droite là. Au milieu. Ouais. Ouais. On avance par en bas pour le reste des squads. Non, par en bas. Au cas où c'est des ennemis. Ok, j'arrive. De toute façon, là il y a une tour, là je pense qu'il va y avoir du monde dedans. Non? Pour l'instant, on voit rien dedans. J'arrive. On va voir. Ah non? Sérieux? Ah, il y a du monde au-dessus par contre. Il y a 4 personnes. Bon, on peut le faire là avec les deux là. J'envoie mon. Tu fais ta charge de commandant. Et moi avec Avitus, je te protège. Bon, ça va tranquille. Si on trouve des squads de 4 à chaque fois, tranquille. Attention, il y a du monde. Ouais. Je vais. Go. Bon, normalement, je vais encaisser. Ouais, c'est bon. Cloué. Y'a que des cloués de marquer. Non. Ah le salaud. Putain, du bâtard. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Stop. Alors, attends. Cyrus, viens ici. Invisible. Allez, on va faire une stratégie. Toi, tu vas passer par en bas. Moi, je vais passer par en haut. Waouh, il y a du monde. Je vais les. Attends, je vais les mettre là. Merde, putain. Je me gourre. Je vais. J'arrive. Hein. Le temps d'activer mon. Allez, non, je suis là. Du coup, Cyrus, il se touche les boules. Comme d'hab. De toute façon, moi, en solo, Cyrus, il était toujours en retrait. J'avais toujours du mal à le placer énergiquement en combat. On va pouvoir leur foncer dessus, là, j'en vois un truc. Il y a du monde qui arrive à fond la caisse là. Je vais les aggro. Ok. Bon. Recule avec ton commandant. Ouais, il y a du monde. Ça va, il m'agisse pas trop. Allez, viens. Là, je peux y retourner, il n'y a plus grand monde. Non, ouais, vas-y. Merde! Ouh. Je pensais qu'il avait annulé l'ordre. Lol. Allez, meurs. Allez, du coup, on peut pas prendre ça. Mais là, on va remonter, puis on va redescendre pour prendre le point qu'on aime. Ouais, effectivement. Y'a quoi? C'est juste des unités. Oh, y'en a d'autres qui arrivent, attends. Est-ce qu'ils nous foncent dessus? Parce que si oui, on va reculer simplement. On va les laisser venir. Non, tu veux les. Oh, d'accord. D'accord. Ouah. Grenade! Je la balance en haut. Ouais. Waouh. Ouais, les grenades de Tarkus, ça font très mal. Putain, ouais. Ah, mais tu les as défoncés. Un Space Marine ne recule jamais. Il meurt. Pour l'Empereur. Pour l'Empereur. Bah, ça veut pas dire que tu dois foncer solo aussi. Bon, il y avait 4 ennemis. Je savais bien que t'allais me suivre. Promotion. En bas, il y a des ennemis. Effectivement. Qu'est-ce que... Ah oui, non, okay, je crois que c'était moi.
Ils sont là avec 61 points de vie. Verte. Putain, les petites bites. Mais vas-y, Cyrus, mais qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, mais vas-y, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Non, on va dans le hameau pour capturer. Ah, tu veux, d'accord, tu veux. Ah oui, je suis bête, putain. Voilà. Ah. Tu bloquais le passage, t'es trop gros. Personne n'est gros. Personne n'est gros. On est tous des Space Marines, c'est tout. Ah, un boulot pour toi, Cyrus, réveille-toi. Ouais. Selon sa volonté. Sauf si tu l'emploies. Mais what the fuck? Mais. What D'accord, the fuck? Détruit le bâtiment. Mais là, j'ai visé le bâtiment, du coup, bah nous, chez nous, on l'a vu là, mais en fait, il était vraiment dedans au final. C'est trop débile. Ouais, non, mais je l'ai vu aussi à tes pieds. Hein. Mais oui, c'est pour ça que je me suis dit putain, merde! Et là, boum! Et le bâtiment il explose. Ok. Ah bah du coup c'est le boss après. Mm-hmm. Vérifions un peu en bas si on n'a pas oublié les escouades. Bah normalement non, on a fait à peu près le tour là. En bas à droite là, juste dans les... Vers ici. Ah ouais, nous genre... Genre quoi. T'as perdu un bob avec Tarkus et tu vas pas tarder à en perdre un deuxième. J'ai déjà perdu deux. Trois bobs putain dans cette partie. Le boss nous a laissé tomber. Tac. Bah du coup ça va, le truc est juste là. Ok. On va attendre que tu régènes. Non c'est bon, y'a personne là. Bon bah pareil hein. Même stratégie, on alterne le tanking entre le commandant et Tarkus. Enfin, entre Blue et Tarkus. Blue. Je crois qu'il... Space Marine Blue. Blue. Il se touche un peu la nouille. Ah ça va. Ouais, y'en a marre. Ah, y'a du monde en plus. Bah, c'est les groupes qui ont traité. Franchis mes boys, hein? Je vais devoir vous tuer moi-même! Cible en vue. On veut ta mort, peau verte. C'est quoi ça? C'est tarantule. Ah d'accord, ok. Non, 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 non! Je le fais courir un peu, hein. Hé! Viens me paix! Non, bouge, 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 bouge. Non, il va te taper au cac. Non, 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 non. Putain, mais les tarentules, vous touchez les nouilles. Ouh. Ou quoi? Oh, les merdes. Ouais, j'ai perdu un quatrième bob. Ah, merde. Non, non, non. Non, 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 je suis pas là. Eh, hey, petit pédé, petit pédé, petit pédé. Ouais, fais gaffe à Cyrus. Merde, 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 merde. Non, non, aïe. Ouh, aïe, 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 aïe. Il fait mal. Ah, quand on est en combat, on récupère pas, quoi. Bah, tu. Oh, il a massacré Sam. Oh, tant pis, hein, viens ici. Ouh. Ça m'a séché un Bob Cyrus. Il met un coup de tête. Non, bouge. Ah ouh. Non, 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 non. On va y arriver, on va y arriver.
Marcus il se sent un peu seul dans son escouade. Ouais. Marcus putain. Mais qu'est-ce qu'il fait Cyrus? C'est un bonhomme. Ou même tout seul tu vois. Non. LOL. Sérieux? T'es sérieux là, l'explosion de merde qui est arrivée là? Putain Blue, t'abuses quoi. Pourquoi t'es tombé à la fin? Mais oui mais... Il triche, il est en train de mourir, il fait son attaque. Sérieux quoi. Il meurt et puis là, bam bam bam. Sérieux. Ah, on dirait un truc à rendre. Voilà, regarde, tu vois. Résistance, sur on est à 3 sur 4. Parce que t'es mort à la fin. Parce que t'es mort à la fin. J'ai pas fait exprès. Comment j'aurais pu prévoir qu'il allait fuiter? Il a pas cheaté, c'était sa capacité spéciale à esquiver. Mais ouais, mais non, il l'a fait quand il meurt, c'est de la triche. Bah, il est mort avec panache. On a gagné pas mal de trucs là, je crois. Avec tout ce qu'on a ramassé dans la mission là. Waouh. On a même gagné la frappe aérienne, c'est pas mal à faire. A disséminé sa bande d'orques. On a trouvé des preuves importantes sur les restes. Ou alors pour l'instant la difficulté Primark. Pour l'instant ça va, on y arrive. Quelle que soit la personne qui contrôle les orques avec Cyrus, ça serait la même. Ah ça va. Ça va. C'est juste que je suis pas habitué à déplacer les deux unités. Enfin deux unités vraiment différemment. Des fois j'en oublie un. C'est le commandant qui se touche la nouille ou alors c'est Cyrus qui se la touche. Putain. Oh, en attente de GPO, quoi. Vas-y, la carte. Ouais. Ok. Éléments. Accessoires disponibles. Niveau 4, saut de pureté, 10 de valeur d'armure. Mais ça, je vais le mettre sur le commandant d'armée, du coup. Vu qu'il est passé niveau 4, là. Qu'en penses-tu? Lequel? Le prière des justes. Ouais. De valeur d'armure. Pantarcus, ouais, non. Que, je sais pas comme tu veux. J'ai déjà pris l'armure déjà tout à l'heure. Ou je sais pas, peut-être que tu peux la prendre. T'as quoi déjà en armure? Ah, t'as pas. Et j'ai la, ou alors je. Là, qui vaut 5. Mais là, regarde, si tu veux, tu peux l'augmenter corps à corps pour l'instant, ton commandant, et moi je peux tanker avec Tarcus. Ok. Parce que mine de rien, le temps qu'on régène, j'ai toujours le temps de caster ma provoque avec, avec Tarcus. Du coup, je prends le truc d'armure. Quoi? Je prends le truc d'armure. Le non, c'est mieux que tu restes pour l'instant avec tes soins. C'est mieux que tu restes avec tes soins. Pour l'instant. Ok. Et je prends je prends le truc d'armure avec Tarcus pour tanker bien. Ça marche. Les mailles du zèle, niveau 4 armure énergétique, 14 d'armure, ouais, oh, ça revient quasiment au même quoi. Tu peux peut-être prendre l'armure, les mailles du zèle, non? Ou je sais pas quoi là. Ah oui non, tu as déjà la cape de Cronus, ok, j'avais pas vu. Mailles du zèle, c'est laquelle celle-là? Ça donne juste de l'énergie et au final, bah, c'est pour toi. Ah. Comme t'as la cape de Cronus, bof quoi. Non, 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 je vais prendre les mailles du zèle et je vais te laisser la cape de Cronus. Parce que par contre, t'as un beau bolter pour toi là. Ouais, ouais, mais la cape de Cronus, elle est bien pour toi vu que tu te bats au corps à corps quand tu te touches pas la nouille. Et que voilà, t'as une probabilité que quand tu te fais toucher au corps à corps, bah, que tu regagnes de la vie, je crois. Ouais, bon, bah, ok. Ça me paraît juste. Ah. Tu as la cape du grand-père. Non, bam 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 bam. Ouais, t'as joué, vu le beau bolter qu'il a? Ouais, j'ai vu quand et il l'a changé. Et des ornements. Puis toujours ça. Du coup, est-ce que je peux mettre autre chose ou pas moi sur mon commandant? Non, je pense que c'est bon. Cyrus. Tiens, hey, mets-toi juste sur Avitus là pour voir le rechargement. Vas-y, je vois. Yeah, go go go. J'ai du choix avec Vitus, putain.
Honorable silence, fusil de sniper. Est-ce que c'est mieux? Attends, vitesse 2 sur 10, 4 sur 10, précision de malade et une portée de baiser. 5 de précision, plus 7 en dégâts. Bon, sûr que j'ai pas la discipline, j'ai pas la probabilité d'en verser les... Mais je pense que j'arriverai mieux à jouer avec le truc, le son de puissance, qu'avec le fusil de précision pour l'instant. Ah ben non, hein, la cape du grand-père, juste pour Cyrus. Hein, quoi? C'est quoi, pour Cyrus, là, tu parles? Non, je regardais le fusil de précision. Ah. C'est vrai que pour l'instant, je crois que là, la prochaine mission, c'est là où on va débloquer les Space Marine d'assaut, si je dis pas de conneries. Ok. Du coup, je débloque aussi son point pour qu'il se déplace normalement quand il est infiltré. Ah, ça va être cool. Signum. Solliciter des frappes de précision. Garde impériale. Merde. Je mets ça à qui du coup, le signum? Quel signum? Bah l'accessoire qu'on a là, le signum. Enfin, moi que tu l'as déjà mis. Toi, ça mais... c'est. Non, le... non, non, les. Les... quel accessoire Détermine l'utilisation. C'est la frappe d'artillerie. Ouais, ouais. Mais là, c'est comme a capturé la relique. Ouais. Pour voir le commandant, ben, il a le petit stimulant. Très bien. J'ai de la place en accessoire avec Cyrus. Donc. Et tu peux faire quoi? Déployer deux tourelles, attaquer le boss ou faire des frappes aériennes? Je peux essayer les frappes aériennes. Les tourelles, je sais pas si j'arriverai à bien les placer ou quoi. Après, ça serait plus logique que je mette plutôt les balises de localisation avec Cyrus, parce que la frappe aérienne, je sais pas. Balise de localisation, c'est les tourelles tarantule, c'est ce que j'ai ouais, placé ouais. Contre le boss. Je vais en placer deux. En fait, j'ai surtout peur de me foirer si je prends Signeux et que je rate ma frappe. Comme tu veux, hein. C'est... Comme ça, tu vois, au moins, si tu la rates, je pourrais t'engueuler. Ouais, mais... Enfin... Prends la rigueur les tarentules et fais comme moi, attendre d'arriver jusqu'au boss pour les placer. Ouais. Parce que la frappe d'artillerie, c'est comme les grenades et que t'es avec Blue en train de défoncer le boss au corps à corps et que tu te prends une jambe d'artillerie dans la gueule. Mais j'ai plus souvent utilisé les tourelles tarentules que le frappe. Ouais, le bolter amélioré, on peut le transformer en XP du coup. Hein. C'est celui oui, que t'as viré, non? Hop. Ok. Grenade frac, tu les as dégagées? Ouais, mais je regarde justement parce que je peux m'équiper des grenades de maître. Ça fait quoi? Très efficace contre l'infanterie à couvert. Peut atteindre plusieurs cibles. Je sais même. C'est quoi la différence? Particulièrement efficace contre les cibles à couvert ou positionner les bâtiments. Voilà, c'est les mêmes, hein, je pense. C'est juste que tu t'es. Tu t'es inscrit sur ton site là, donc on a des armes stylées. Et ouais. Donc je pense qu'on peut avoir les grenades de maître, qui sont l'équivalent des grenades, mais en version or. Je veux garder les grenades classiques parce que si on est limité à 3 grenades. Ouais, c'est bizarre. Pour l'instant. Ça. Bizarre. De toute façon, après avec Darkus, je peux transformer mes grenades en capacité, c'est-à-dire que je suis plus limité en nombre, ça me consomme juste de l'énergie. Alors que j'oublie pas de mettre le héros de la mort. Voilà. Piu piu. Ça marche. 11-4-4. Héros. Héros de mort prochaine. Ah oui, plus 2 de compétences au corps à corps. Oui. Donc, ah, maintenant t'as le cri de guerre. Ouais. C'est le cri de guerre, il est bien. Hein. Et comme t'as vu là, une fois que c'est débloqué, mais tu fais des attaques plus puissantes, tu renverses beaucoup de gens et tu peux pas être renversé. Ben, attends. Pendant un certain... je l'utilisais déjà là. J'arrêtais pas de le faire.
C'est mon perso, il disait et puis tout le monde avait une aura jaune autour de lui. Ah, ça, je savais pas. C'était ça en fait. Alors attends. Et là, j'ai débloqué le zélé, je crois, à l'instant. Mais je comprends pas, parce que. Oui. Attends. Explique-toi, vas-y. Bon, tu me changes non, parce que je vois. Ah! Attends, donc là, en fait, toi, t'es à un point de débloquer Fureur des Justes. Bah, je sais pas, je. Peut-être, je sais pas, ça compte vraiment dedans? Oh parce que non, 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 je me suis trompé. Ça compte juste dans les stats? Non, parce que là, il y a des armes et des armures qui rajoutent des points de compétences. Ouais. Comme je t'avais expliqué. Et là, j'ai mal lu. Il fait plus 2 points de compétences au corps à corps. Donc là, regarde, si tu vois à droite les chiffres jaunes. Oui, c'est ça que je disais, c'est juste les stats. Ouais. Voilà. Mais après, on va débloquer des armes et des armures qui donneront des barres résistance, distance, puissance ou volonté. Ouais, ouais. C'est quoi l'aptitude au corps à corps? Je ne sais pas. Ah, probabilité d'exécution d'attaque spéciale au corps et de renversement d'adversaire. Okay. Ouais. Tac. Du coup, le pistolet de balle XP. Ouais, vas-y, XP. Cap du grand-père. Je peux rien mettre sur Cyrus, parce que c'est pas des armures faites pour lui. Bah du coup je peux peut-être transformer d'autres trucs en XP là, la cape du grand-père là. Si bah, j'ai mis la cape de Chronos. C'est que pour le Ouais, ouais c'est, ouais, c'est pour que ça. Pour le commandant. Coup... Mais c'est à toi de voir. T'as quoi en armure? Bah, c'est bon, t'as déjà 14. Bah à la rigueur, moi je te conseillerais plus finalement de garder la cape du grand-père. Qu'est-ce que tu gagnes? Ouais. Bah j'ai pas la petite probabilité qui fait que je peux regagner de la santé. Et j'aurais quand même un petit peu plus d'armure au final. Mais non, prends la cuirasse d'Azaria. Lol. La ah oui, d'accord, ok. Ok, ouais, go. J'ai compris. Voilà, et en plus, t'as des ornements argentés là, c'est beau. Regarde, t'as vu, t'as des genouillères en tête de squelette quoi. Wow. C'est commandant Blue, merde. Ouais, du coup, la cape de grand-père. XP. La petite armure là, niveau 2, s'il te plaît. Et la cape de Chronos, XP. Ah putain, presque le niveau 5. Nah. Mais attends, je crois que je partais un bolter. Ça recharge moins souvent. Ouais, je vais purge de Victory B. Voilà. Oh, si on dégage encore un truc. Le commandant, il prend. Mais ton objet de commandant, à toi de choisir entre les deux là. T'as deux objets de commandant, c'est que pour toi, ils sont tous les deux niveau 7, donc forcément il y en a qu'un que tu vas porter et l'autre que tu vas jarter. Lequel truc? Ah, de quoi est-ce qu'il va y avoir après? Objet du commandant. On a chopé deux objets du commandant, mais ils sont niveau 7. Donc ça veut dire que forcément quand on sera niveau 7, combat, volonté. Utiliser l'énergie pour absorber les dégâts. Le problème c'est que j'en ai besoin pour mes capacités, donc. Voilà, plus 1 à la discipline de combat volonté. Donc celui-là, là, le premier, quand tu équiperas, il te donnera un point en volonté. Ah. Et voilà, il peut te permettre de déployer une nouvelle capacité, ça sera déployer un bouclier autour de toi. Et il devra d'abord péter toute ton énergie avant de te péter la vie, quoi. Ça te rendra encore tanky. Remarque, oui. Dans un sens, oui. Et ralliement... 35 de santé... Ça va peut-être booster les unités alentour, j'imagine. La bannière a quoi même... Personnellement, moi, je serais plus tenté par le... En plus, voilà, regarde, la le bannière laurier. de combat... La bannière de combat, c'est un objet vert, et le laurier, c'est bleu. Bon, on va regarder le bleu, alors. On va faire le fait. Hop. Waouh, 2 points. Lors d'une attaque spéciale, frappée avec fureur pour infliger davantage de dégâts explosifs et lasser le condamné devient extrêmement résistant au renversement. Peut-être viser inébranlable pour avoir plus de vie et avoir le truc pour en... frapper avec fureur pour infliger davantage de dégâts explosifs. J'aime bien la santé. Bien
Ouais, parce que après t'as un implacable. Après avoir utilisé la victoire, le clan d'armée devient invulnérable. Ah ouais, ok, ouais, d'accord, je comprends. et à la fin t'as un indomptable, je sais pas si tu l'as vu, un indomptable. Ah oui, ok, sa santé se rétablit brièvement, se déplace plus vite, inflige plus de dégâts. En gros, quand t'as indomptable, le commandant, quand il meurt, il se relève automatiquement. Et il fait fuck it, je me barre. Waouh. Et on a des nouveaux trucs débloquables au niveau 5 là pour Tarkus et ton commandant. Armure de purge. Chaque ennemi tué augmente les dégâts subis par les orques à un tour de 15% pendant 10 secondes. 15% de résistance aux dégâts. Pour Cyrus. Plus 2 de compétences au corps à corps, plus 18 d'énergie. Impitoyable vérité pour le commandant à la rigueur. De quoi, laquelle? Ah, entre les deux qu'il y a là. Impitoyable vérité. 2 de compétences au corps à corps, non, 18 d'énergie. Ouf, ça me donne quand même des petits buffs de déplacement et de dégâts. La cuirasse, ouais, donc je sais pas si je vais la mettre quoi. Non, à la rigueur, garde impitoyable vérité pour les Space Marines d'assaut. Vous aurez débloqué. Au départ, ouais, je crois qu'ils seront sans stuff. Mais par contre, l'autre là, l'armure de purge, je vais la prendre. Je gagne 2 points d'armure et je gagne 15% de résistance aux dégâts pour Tarkus. Donc les mailles du zèle, si tu veux la vendre, toi plaisir. Bah du coup, ouais. Boop. Promotion pour Cyrus et promotion pour Vitus. Nickel. Cyrus, pour l'instant, réanimer les chefs des squads invalidés ou alors réanimer les chefs des squads sans être détecté. Ça peut être pas mal si j'utilise son énergie pour relever. Je devrais peut-être viser réanimation silencieuse, non? Pour Cyrus. Dans la branche volonté, non? Les deux sont bien. Je sais pas si. Est-ce que je lui mets de la santé ou plutôt les. Non, Cyrus, pour la santé, on ouais, je l'arrête là. Voilà, c'est très bien. Distance là, regarde, et volonté. Lui... Ouais, voilà, tu peux commencer à. Les chefs des squads sont détectés une fois infiltrés. Commence à augmenter. Vise munitions spécialisées. Ouais, déjà. C'est ce que je pensais. Voilà, du coup j'ai la carapace de purge. Chaque ennemi tué augmente tous les dégâts subis par les orques alentour de 15% pendant 10 secondes. 25% de résistance aux dégâts perforation à distance. Ouais, je perds quand même les 48 de santé. 48 quoi. Je vais pas la mettre, je crois, la carapace de purge. Chaque ennemi tué. Ouais, non. Là, les 48 de santé, voilà quoi. Bon bah, XP. Voilà. Bah du coup je pense qu'on est bon. Putain. Pas trop tôt. Hop, attends. Plus 4 de dégâts à distance, on s'en fout. Voilà. Et le fléau de Xeno, on s'en fout. Ah oui, il y a l'hymne de purge. Chaque ennemi tué, c'est le truc des orques là. Chaque ennemi tué, augmente tous les dégâts subis par les orques pendant 10 secondes. C'est un peu de la merde parce que c'est situationnel, on va très vite se retrouver à affronter autre chose que des orques. Donc ça à la rigueur, on peut tout de suite le vendre. On trouvera forcément des accessoires meilleurs. Ok. Genre bah t'as la lumière de l'astronomican qui est déjà beaucoup mieux. Par contre ouais, pour ton commandant, je te suggère très rapidement aussi de mettre 4 petits points en volonté pour débloquer un deuxième emplacement d'accessoire. Ouais, ça va être pratique ça. Je pense que je prendrai d'abord inébranlable et ensuite je verrai pour la dotation du commandant. Donc dans 3 niveaux, voilà. Ouais. Voilà. On est bon. Eh bien, on est très bon, écoute. Hein. Du coup, je pense que nous allons nous arrêter là. Ok, pas de soucis. Tac, bon, en espérant que l'épisode vous ait plu et qu'il a pas été trop à rallonge à changer de stuff à la fin.
et à mettre nos points. Parce que, eh, vas-y, prends ça, ouais, mais franchement, tu devrais mettre ça. Alors, on est, tu vois, chaque Space Marine a une petite fille qui a envie de faire du shopping en soi. C'est ça. Donc là, attends. Et je. Avant que tu coupes ce stream, je tiens à te faire regarder notre score de campagne. Nous sommes passés chevalier de fureur. Fureur en moyenne, ouais, mais non, normalement. Je veux dire, on casse les gueules, quoi. Tu vois, regarde, le score du sauveur, ça se regarde, tu vois, sur les performances à résistance. C'est un peu pourri, hein. Ouais, bon, bah ça va. Ah là là. Ok, ça marche. Si t'étais pas mort à la fin, on aurait eu un magnifique 5 étoiles sur. Comment j'aurais pu prévoir qu'il allait faire ce qu'il a fait? Putain, il l'a fait à son dernier souffle de vie, même pas, il était déjà mort. J'ai vu mon perso mourir après. Et là, oui, la tristesse. Ouais, bon, on va avoir quasiment un scorpion. Ah, tant pis. Voilà. Bon, sur ce, merci encore et au prochain épisode. Tchou tchou tout le monde. Pour l'empereur.